Mardi, étape entre Vanzé en Belgique et Wallers-Arambert. On pense bien sûr à Jean Stablinski, le plus célèbre coureur de la région. Stab et le Tour de France, c'est toute une histoire. Jean-Luc Douché. L'ombre du père Jean sur les routes du Tour. Stablinski, un nom qui résonne encore et toujours pour les amoureux du vélo. Il vient de, quand même d'un milieu ouvrier, tout ça. Hein, c'est pas de, hein, il s'est fait tout seul, il s'est fait à force du poignet. Hein. C'est ça que c'est un exemple de vie. Hein. Une vie de mineur et de champion, un nom d'origine polonaise qui écrivit les plus belles heures du cyclisme français. Jean Stablinski participa en 1954 au premier de ses 12 Tours de France. Il y gagnera 5 étapes, dont celle-ci en 57 entre Cannes et Marseille. Le nordiste se fait un nom dans le peloton. Eh bien, le héros de cette journée, c'est incontestablement Jean Stablinski. Jean Stablinski qui a mené à bien son échappée. Vous voulez arriver les grimpeurs maintenant? Vous avez franchi en tête deux pas, oui. C'est-à-dire que j'aime pas grimper l'épaule dans un peloton. Hein. Il avait un handicap rédhibitoire, c'est que, comme André Darrigade d'ailleurs, et comme beaucoup d'autres, il n'était pas un assez bon grimpeur pour être parmi les favoris du Tour de France. Alors, il a gagné un Tour d'Espagne, je vous l'ai dit, parce que le Tour d'Espagne, à l'époque, était moins montagneux que le Tour de France. Et là, ses qualités stratégiques, tactiques, son sens de la course, ajoutées naturellement à sa condition physique, lui ont permis de gagner le Tour d'Espagne, mais ça n'aurait pas été suffisant pour gagner le Tour de France. Celui que l'on surnomma le renard pour sa science de la course ne gagnera jamais la grande boucle. Stab et le Tour, c'est aussi et surtout un rôle de fidèle équipier d'un quintuple vainqueur de l'épreuve, un certain Jacques Anquetil. Il devient quasiment l'un des piliers du Tour de France. Il est l'équipier fidèle, le lieutenant fidèle de Jacques Anquetil. Et à ce titre-là, il est quasiment en permanence aux premières loges sur les grandes étapes du Tour. Il n'y avait quasiment que les étapes de montagne où il était un peu limité. Et pour le reste, il enchaînait les victoires, il aidait de manière très importante Anquetil. Et puis dès qu'il pouvait donner un petit coup de main à l'équipe de France, il était là. Ce maillot jaune, qu'il n'eut pas la chance de porter, occupe désormais une place à part dans le souvenir de sa fille. Ce maillot, il a beaucoup d'importance parce que c'est celui que Jean-François Pécheux nous a ramené le jour de l'enterrement de papa. Ce maillot a été signé par tous les coureurs français, la dernière étape, pour nous le remettre, en souvenir de papa. Cette année, le Tour de France fait étape à Wallers-Arambert et sur les pavés, sur les terres de son père, parti il y a 3 ans. Là, particulièrement à Wallers, et juste près de la stèle qui a été érigée à son hommage, là, je pense qu'il y aurait eu une grande fierté. Mardi, en fin d'après-midi, le peloton bouclera la 3e étape du Tour de France 2010, tout près de cette stèle et de la célèbre trouée d'Arambert que Jean Stablinski découvrit en 1968.